Ici repose Jean Stanislas Migolé, grand commis de l'État à l'époque coloniale, qui a également œuvré aux côtés du premier président du Gabon, Liomba Minkou, en qualité de ministre de l'Intérieur et de la Sûreté nationale. Né en 1920, cette figure emblématique de la province de l'Ouélo a reçu les hommages du chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Cette étape importante a permis au président de la République de poursuivre son périple dans la ville de Koulamoutou par la pose de la première pierre de plusieurs structures. Une en relation avec le monde de l'éducation, le complexe scolaire de Koulamoutou qui va accueillir les élèves du pré-primaire, primaire, premier et second cycle de l'enseignement général. Longtemps privée de structure bancaire, la ville de Koulamoutou se dote maintenant d'un établissement de finances qui vient soulager les nombreux fonctionnaires et plusieurs autres usagers qui se rendaient dans la province du Haut-Ogooué pour effectuer leurs opérations bancaires.